I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! You got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Wrestle Rock Podcast. J'espère que vous allez bien à la maison. Je suis Nostradaben et me voici en compagnie de mon grand ami de toujours, M. Johnny D. Comment ça va? Ça va bien. Un peu fatigué de notre long ride, mais ça a été une belle expérience. En fait, on voulait, ça paraît même dans mes yeux, dans le fond, on est allé au New Jersey. Récemment, on a passé un week-end dans le coin de New York et puis on a rencontré un paquet de gens, on a eu des belles connexions, des belles choses, des péripéties, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, comme on dit, ainsi va la vie. Et puis, est-ce que tu veux commencer avec quelques petites... comment que s'est déroulée notre journée? Notre voyage ou notre journée? Ah, peu importe. Ben, notre voyage, on est parti... On est parti de Québec pour se rendre, pour passer la frontière dans le coin de Montréal. Je ne me souviens pas c'est quoi le nom de la frontière exactement. Ensuite, on a roulé pendant un bout de temps sur l'État de New York pour se rendre au New Jersey. Yes. Peut-être dans la dernière heure, on a pogné pas mal de pluie. Disons que ça va l'air être quasiment un ouragan. Oui, en fait, c'est ça. Ça l'a un peu gâché nos plans. Là. On est monté dans le fond, dans... Rendu là-bas, ben, je ne sais pas si vous avez vu aux nouvelles, chers amateurs de lutte, mais... On avait l'idée dans la tête d'aller sur l'île de New York, plus précisément Manhattan, mais malheureusement, c'est comme mon collègue l'a dit, si vous avez regardé les nouvelles, vous avez peut-être remarqué que la ville de New York, malheureusement, ressemblait à la ville de Venise, vous voyez ce que je veux dire? Oui, exactement, puis il y avait... c'est ça, il y a eu des inondations là, suite à... des millimètres et des millimètres et des. C'était rendu des pieds de, d'eau là, qui était. La ville est en train de complètement s'ensevelir sous l'eau. C'est particulier ce qui s'est passé là-bas. On a été chanceux, on n'a pas été pris là-dedans, mais ça aurait pu dégénérer. Là, le pont de Brooklyn était barré, le tunnel Lincoln, il était rempli d'eau. Fait que les gens qui passaient là avaient de l'eau à hauteur des portes. C'était hot pour ça vrai. Ça ressemblait un peu à ce qu'il y avait eu en Beauce dans les années 80. Tu t'appelles dans sa limite, là, il y avait les innovations en Beauce, là, Jacques Saint-Jean qui retrouve Lulu, le petit poisson rouge. Ouais. Là, il devait y avoir plusieurs petits Lulu qui n'étaient pas retrouvés. Mais tu sais, la Beauce, là, on s'entend. Là, ouais, c'est un village à côté de New York, sans vouloir insulter la Beauce, bien entendu. Yes. Et puis, par la suite, dans le fond, on est allé au Totowa Pal pour le spectacle organisé par la ISPW pour leur 25e anniversaire. Il y avait plein de gens intéressants. Les anciennes légendes WCW, ouais. ECW, exact. Comme Crowbar, Danny Doring. C'est ça, tous des anciens. Là. Il y avait Maven Hoffman. Ah oui, bien sûr, le vainqueur de Tough Enough. Il y avait deux filles de la AEW qui étaient présentes aussi. Donc, Vicious Vicky qui était championne féminine. Yes, elle défendait son titre face à Gabby Ortiz. Yes. D'ailleurs, il est publié sur Internet, sur YouTube, Joe. Tu l'as enregistré de ta propre main. Tu vois, yes. Pour aller voir ça, c'est super intéressant. Oh, oui, on a rencontré plein de gens, mais on ne veut pas trop rentrer dans les détails tout de suite. Il y a des surprises. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a jasé avec certaines personnes, là, agents, etc. Là, ça risque d'être fort intéressant. Puis dans le fond, on ouvre comme notre quatrième saison, un peu comme ça, avec cette vidéo-là. La quatrième saison, entre toi et moi, Ben, je pense que ça va être la plus grosse qu'on a faite jusqu'à présent. Hein? Comme certains disent, on kick la concurrence.
Oui, exactement. Puis, ben, on vous annonce en primeur que dans le fond, on a réussi à interviewer un WWE Hall of Famer. Et peut-être un futur Hall of Famer. Oui, deux Hall of Famer, je crois qu'on a pu qu'on a interviewé. Oui, deux WWE, oui, c'est vrai. Et un éventuel Hall of Famer. Non, je ne le dis pas tout de suite, c'est une surprise. Exactement. Hein? Je peux vous dire, par exemple, que durant cette soirée en ISPW, on a mangé de la pizza. Oui. Il était vraiment pas cher, la pizza. Deux petites pointes, une pièce, hein, ou deux pièces. Pièces. 2.3 pièces. Ouais, c'était cool. On a mangé au Dunkin' Donut, yes. Ce qu'il n'y a plus au Canada pantoute, ce qu'ils ont aux États-Unis. Yes! Par la suite, dans le fond, on s'est dirigé au 90s Wrestling Con où on a rencontré plein de légendes là-bas. Il y avait. C'était à Rockaway, ça, c'était pas à Totowa. Non, non, c'est ça. Il y avait Kevin Nash, les Dudley Boys. Nasty Boys. Les Nasty Boys étaient présents. Sergeant Slaughter, Tony Atlas. Tony Atlas. Tatanka. Il y avait. Mon Dieu, il y avait vraiment une trentaine de personnes. Là. La seule chose qui est un peu déplorable, c'est que. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu d'annonce non plus en lien à ça. Mais genre... ce que je t'avais prédit en cachette. Ouais, c'est ça. Il y avait à peu près 25 invités. Mais dans ce qu'on a compté, moi et Jonathan, pendant qu'on revenait à la maison, il y a au-dessus de 11 superstars qui ne se sont pas pointés, dont Marty Jannetty. Glacier. PN News. PN News. De Cat, Miss Kitty. De Cat, Miss Kitty. Bon, de ça. Il y en avait. Ouais, il y en avait une couple. Là. Ouais, on a nommé que ceux-là, comme on dit. Ouais, exactement. Mais sinon, on a fait des belles rencontres. Tout ça, ça risque d'être fort intéressant. Là. On a hâte de vous présenter ça. Il y a quelque chose qui m'a fait mal au cœur aussi. C'est. Tu sais, ce qu'on voit à la télé et ce qu'on voit live, c'est pas tout à fait pareil. Mais quand tu vois Lex Luger, un ancien gars full planté, comment il est devenu, là, on l'a vu de proche quand même. Ouais, là. Ouais. On n'y a pas parlé, mais on l'a vu de proche, puis il s'est rendu l'ombre de lui-même. Ça me fait de la peine. C'est un ancien culturiste, un gars qui a battu Hulk Hogan pour la WCW World Heavyweight. Ça me fait mal au cœur. Ah, il faisait vraiment pitié, honnêtement. Il signait un autographe la main de même pour vous donner une ouais, idée. Oui, il était vraiment. On a rencontré aussi Kevin Sullivan. Oui, Kevin Sullivan. Le Taxmaster. On a jasé avec beaucoup. Puis, Pour revenir à Lex Luger, je ne veux pas te taper avec ça, mais vous irez voir ceux qui ne l'ont pas vu, sa biographie à Canal 2. Quel genre de gars c'était. Des fois, on paye pour nos erreurs, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, puis il y a des gens qui vieillissent bien, puis d'autres vieillissent moins bien. Je vais juste revenir, moi, à Kevin Sullivan. J'ai trouvé qu'il avait pris un coup de vieux. Ouais. Et puis, tu sais, il shakait, là. C'était une petite personne âgée, là. Ça nous a fait pas mal. Tu sais, c'était le fun de le rencontrer, tout ça, mais je trouvais qu'il faisait pitié. Je trouvais qu'il avait... Tatanka, pour un gars de 62 ans, il est trouvé en shape. Là. Il était en forme. Puis il y en avait plein d'autres aussi en forme. Là, Little Guido était présent. Super Crazy était présent. Joel Gartner était là. Chris Chetty. Chris Chetty était là. Qui était là aussi? Danny Doring, Crowbar. Amish Roadkill. Amish Roadkill, justement, qu'on a vu rentrer dans le Duncan quand t'es en train de déjeuner avec tes parents. Yes, ouais, c'est ça, c'est vraiment cool. Un tatouage sur la jambe du géant ferré. Yes. Ça doit être son idole, ça, c'est sûr. J'imagine. Et puis, ben, en gros, c'est ça. Tu sais, le show pour vrai, c'était. Le show de la ISPW 25, c'était pas le meilleur show qu'on a vu de notre vie, là. On va s'entendre. Puis, tu sais, on veut pas dénigrer rien, oh, mais non, pas du tout. Il avait annoncé des trucs, puis c'était comme pas ce qui était annoncé. C'était particulier. La foule était bizarre aussi. Quand on regarde le roster de la fédération, on est déçu parce qu'ils disent que Tito Santana, c'est le commissioner. Il était même pas là. Non. Je pensais qu'il ferait une promo au début. Ouais. Il était même pas là, puis il était annoncé pourtant. Oui, ben, en tout cas, il était dans le roster. Ouais, c'est particulier. Tu sais, Danny Doring, c'est correct, il était dans le roster, il était là. Puis, même chose pour Vicious Vicky. Sans vouloir rien enlever au propriétaire. Ils vont durer ajustement à faire. Il va avoir beaucoup, beaucoup de travail à faire, je pense, à mon avis. Là, ça a été décevant, là, tu sais. Mais bon, que ce soit pour le 25e anniversaire à ISPW, ou que ce soit pour le wrestling, 90s Wrestling Con, c'était le même promoteur. Il y a des réajustements. Parce que dans le centre d'achat, ça avait l'air d'un labyrinthe. Oui, oh, ouais, parce qu'ils n'étaient même pas tous au même endroit. Ils étaient à deux endroits dans le centre d'achat.
Fait que là, il fallait que tu passes toujours de un à l'autre. Fait que là, ben, tu cherchais les gens. T'sais. Probablement que cette journée-là, le seul centre d'achat dans l'État du New Jersey qui était disponible, c'était ça. Parce que il doit en avoir dans le New Jersey, il y a tellement de monde. New York, New Jersey. Ouais, moi, j'ai jamais compris pourquoi ils n'avaient juste pas pris Totowa Pal puis qu'ils n'ont pas juste mis ça là-dedans. Mais c'était assez grand, c'est ça l'affaire. Hein? Oui, ah, c'est sûr que ouais, avec le ring, ça paraît peut-être petit, ouais, là, mais. Oui, on avait de la place. Ouais, en tout cas. En tout cas. Tout ça pour dire que finalement, ben, tu sais, cette partie-là nous a vraiment déçus parce qu'on a quand même fait 16 heures de char pour aller à l'événement. Mais par contre, on a des super de belles surprises. On a travaillé super fort. On est encore en train de travailler extrêmement fort. On a beaucoup de contacts maintenant. Ben, on en avait déjà énormément de contacts, mais maintenant, ça va exploser. On espère pouvoir vous faire profiter de ça le plus possible. Petite anecdote avant d'arriver dans l'État de New York. Le gars des douanes semblait être un fan de lutte. Ouais, ouais, il était vraiment chaud là, à l'idée qu'on s'en allait. Il croyait qu'on était des lutteurs, mais yes. On était juste comme ouais, de ben, passage dans New Jersey. Dans le fond, des anciens retraités, c'est ça. Et puis, ben c'est ça. Dans le fond, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment-là. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de partager ça, de nous suivre sur les médias sociaux. Comme vous pouvez voir, là, c'est disponible sur Facebook, Twitter, Instagram. Suivez-nous sur le WrestleRock.news. Toutes les nouvelles concernant les ordres du jour, tout ça. Il va y avoir une autre émission qui va sortir très bientôt. On vous laisse là-dessus, les amis. Et puis, on vous embrasse. Merci beaucoup. À bientôt. On se retrouve très bientôt. L'action ne manquera pas. Au revoir.